Hamon and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de l'association Genesis qui a créé Recycle Lab Mer, qui, comme son nom l'indique, est un robot très complet qui, en plus de capter des plastiques stagnants à la surface, capte les nappes d'hydrocarbures. Alors, le corps de l'appareil est constitué d'un réservoir à déchets muni d'une porte d'entrée et d'un filtre de naturel séparant l'eau des hydrocarbures à sa sortie, nous dit sciencevie.com. L'intégralité de leur futur modèle fonctionne complètement à l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques qui ornent son revêtement. Alors, de grandes villes comme Brest et La Rochelle s'en sont déjà emparées, ainsi que d'autres villes du littoral méditerranéen et même une marina en Espagne. Alors, c'est 140 litres de collecte, un fonctionnement 100% électrique et un filtre pour capturer les hydrocarbures. Voilà les principales caractéristiques qu'il faut retenir. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.